Hey, salut camarades et bienvenue à cette vidéo de l'Otaku Duo. On continue notre voyage à travers la science-fiction japonaise avec cette première vidéo consacrée aux mechas qui se concentre sur les robots, les androïdes et les cyborgs. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des super robots, des mechas réalistes, des mechas Nozomé et compagnie. Mecha désigne couramment un anime ou un manga de science-fiction avec des robots, que ce soit des armures mobiles, des androïdes et autres cyborgs. Ça désigne maintenant également les armures robots et cyborgs en eux-mêmes. C'est un genre qui a subi, et qui subit encore, de très nombreuses évolutions dues aux avancées de la science et des technologies, mais également des mentalités, avec une évolution des thèmes abordés. Si traditionnellement la fonction principale d'un mecha est de combattre d'autres mechas, on trouve également des animes traitant de sujets comme un robot avec une IA suffisamment avancée doit-il être considéré comme l'égal d'un humain? Un robot peut-il avoir des sentiments? Et certains animes montrent des romances entre humains et robots, voire même entre robots. Apparu au début des années 1960, il reste un thème particulièrement populaire et considéré comme l'un des symboles de l'animation japonaise. Il faut dire que le tout premier anime avec des personnages récurrents et une véritable histoire est Tetsu Anatom, diffusé en 1963, et où le personnage principal est un robot autonome doué de sentiments humains. À ça s'ajoute que dans de très nombreux pays, dont la France, Goldorak fut le tout premier anime japonais à être diffusé à la télévision. Rendu populaire par des auteurs comme Isaac Asimov et Sasaga ou l'inventeur des trois lois de la robotique, les robots et les androïdes sont vraiment très présents dans l'animation japonaise. Des séries comme Mazinger Z, Gundam, Macross, Evangelion ou encore Ghost in the Shell ont ancré dans l'inconscient collectif que le Japon est le pays des robots. C'est pas le pays où on trouve le plus de robots pour rien. Les animes et les mangas de robots peuvent être divisés en différents types en fonction du type de robots qui apparaissent, que ce soit des super robots, des mechas réalistes, des androïdes, des cyborgs, des exosquelettes et compagnie. Certains sont assez obscurs ou diffèrent de notre vision occidentale. Un robot est un appareil ou une machine qui effectue de manière autonome un travail pour le compte d'une personne. Ça peut être une machine qui exécute un travail automatique continu, comme les robots industriels ou les robots de nettoyage, ou une machine qui simule des personnes ou des animaux, ou qui a un aspect ou des fonctions similaires. Et évidemment, c'est surtout cette deuxième catégorie qui nous intéresse ici, tout en sachant que le terme est également utilisé comme nom générique pour beaucoup d'éléments mécaniques. Un Gundam est un robot, un androïde est un robot, un drone autonome est un robot. La principale différence entre un robot et un androïde est qu'un robot n'a pas forcément une forme humanoïde, contrairement aux androïdes qu'ils sont toujours. Actuellement, on considère également qu'un robot possède un côté mécanique visible, ainsi qu'un niveau technologique et une intelligence plus faible qu'un androïde, qui lui se doit de ressembler, de se comporter comme un humain. Mais la différence entre les deux n'est pas toujours très claire en fonction des œuvres. Il faut savoir que la légende du golem a beaucoup influencé le concept des robots. Le golem, qui signifie en hébreu embryon inachevé, est dans la mythologie juive un être artificiel, généralement humanoïde, fait d'argile, incapable de parler et dépourvu de libre arbitre, qui est façonné pour assister ou défendre son créateur. Le mot robot a été utilisé pour la première fois en Tchécoslovaquie en 1920 par le romancier Karel Kapek dans la pièce de théâtre de science-fiction Rur, le mot venant du tchèque robotin signifiant travail forcé ou en russe ouvrier. Ce n'est alors pas une machine métallique, mais biologique à l'apparence humaine, ce qui très paradoxalement la classe donc maintenant comme androïde et non comme robot. D'ailleurs, au Japon, le livre a été publié en 1923 sous le nom de Jinzo Ningen, qui signifie « humain artificiel ». Le traducteur a donc décidé de traduire « robot » en « humain artificiel », ce qui pour le coup est plus exact selon nos standards actuels. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que le mot « loboto » se répand, Jinzo Ningen étant maintenant traduit par « androïde ». Un androïde est un robot humanoïde ou un autre être artificiel conçu pour ressembler à un humain, et souvent constitués d'un matériau ressemblant à de la chair. Dans la fiction, ils sont vraiment très ressemblants aux humains, avec généralement une intelligence et des capacités égaux ou supérieures à ceux des êtres humains, se déplaçant, pensant et parlant de façon tout aussi fluide. En plus d'agir, d'interagir et de coexister avec les humains, ils peuvent même parfois avoir des émotions et connaître l'amour, ce qui les rend souvent indiscernables des vrais humains. Dans les animes et mangas, ils disposent assez souvent d'antennes au niveau de la tête, à la place des oreilles, ce qui permet de les identifier plus facilement. Androïde vient du grec andre, signifiant homme, dans le sens masculin, par opposition à anthrope, signifiant être humain, et de oïde, signifiant ayant la forme d'eux ou la ressemblance d'eux. La première utilisation d'androïde est attribuée à Ephraim Chambers et son livre Cyclopédia en 1728, et faisait référence à un automate.
Son sens moderne, lui, vient de l'auteur français Auguste Villiers, avec son ouvrage L'Ève Future en 1886. Soit bien avant l'apparition du mot robot, la distinction entre robot mécanique et androïde charnu a été popularisée entre 1940 et 1944, et bien plus tard, en 1985, a été inventé le mot gynoïde, qui lui se réfère au robot d'apparence féminine. Mais le concept, lui, est beaucoup plus ancien. Dans les mythes antiques, on trouve déjà des objets humanoïdes animés, comme par exemple le golem de la mythologie juive, ou Pygmalion et sa statue devenue vivante. Au Japon, la situation est légèrement différente, puisqu'ils utilisent habituellement le terme Jinzoningen, traduisible en humain artificiel, à la place d'androïde. Encore une fois, ça vient de la traduction de la pièce Ruhr en 1923. Comme les robots de Ruhr ont été conçus pour imiter les humains afin de faire leur travail, le traducteur a décidé de traduire robot en être humain artificiel, et c'est resté pour parler des androïdes. Actuellement, il semble que Jinzoningen fait référence aux androïdes des œuvres de fiction, alors qu'Andoloido fait référence aux androïdes réels. Par contre, à l'oral, ils utilisent principalement Loboto. Au Japon, c'est un thème vraiment très populaire. L'œuvre représentative est Tetsu Anatom, qui non seulement est le premier anime de robot, mais également le tout premier anime diffusé à la télévision japonaise. Aujourd'hui, les androïdes sont largement présents dans la fiction japonaise, mais également dans la réalité, avec des machines de plus en plus évoluées. L'attention entre la substance non humaine et l'apparence humaine, ou les émotions des androïdes, est la partie dramatique derrière la plupart de leurs représentations fictives, certains voulant devenir humains, alors que d'autres se rebellent contre les abus commis par les humains, certains androïdes étant plus humains que les humains. Les histoires d'androïdes ne sont donc pas vraiment des histoires sur les androïdes, mais des histoires sur la condition humaine et sur ce que signifie être humain. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'âme? Sont les thèmes les plus fréquents. On peut aussi trouver une pensée religieuse. Le fait que les humains créent des êtres intelligents artificiels peut être considéré comme un défi lancé à Dieu. La discrimination vers les androïdes est également une façon de parler du racisme dans la société. Et bien sûr, le complexe de Frankenstein. Le complexe de Frankenstein, c'est la peur du créateur, ici les humains, d'être dépassé ou détruit par sa création, ici les robots intelligents. En Occident, les œuvres de science-fiction avec des androïdes maléfiques voulant dominer ou supprimer l'humanité, qu'ils trouvent inférieures ou dangereuses, ainsi que les IA psychopathes sont extrêmement courants depuis les débuts de l'apparition du thème des robots intelligents, entraînant dans l'inconscient collectif une certaine peur des androïdes et des intelligences artificielles. Mais au Japon, la situation est différente. Les robots sont considérés comme des alliés, voire même de possibles amis. Les Japonais pensent que s'ils ont la capacité de réfléchir, ils peuvent très bien devenir nos amis. Ça vient en partie de la religion et du folklore japonais, qui considère que les êtres inanimés peuvent tout autant avoir une âme que les êtres vivants. Alors qu'en Occident, on a plus tendance à penser qu'il est dangereux de se prendre pour Dieu en voulant créer un être intelligent. La science-fiction japonaise baigne depuis longtemps dans une certaine culture de l'androïde amical. Ils n'hésitent pas à leur donner des sentiments humains avec des androïdes souvent plus amicaux et humains que les humains, en utilisant principalement les thèmes de la tristesse et de l'amour. Les androïdes à l'apparence féminine sont parfois appelés gynoïdes. Certains voient en eux la volonté des hommes de créer la femme parfaite, alors que d'autres pensent qu'il s'agit plus d'un moyen de parler du racisme et de la misogynie dans la société. Dans la littérature, on trouve depuis longtemps une volonté de créer artificiellement des femmes idéales, et le concept des gynoïdes est comme une extension de ce thème, que ce soit Pygmalion vers 222 avant Jésus-Christ, qui est le premier concept proche des gynoïdes. Dans ce mythe, Pygmalion sculpte une statue féminine si belle qu'il en tombe amoureux, et après avoir prié Vénus, la déesse prend pitié et transforme la statue en une vraie femme. Ou dans le roman L'Ève Future, écrit en 1886, qui donna son sens moderne au mot androïde. Dans cette histoire, un jeune lord tombe amoureux d'une cantatrice très belle, mais idiote. Un ingénieur lui fabrique alors un androïde qui ressemble physiquement à son modèle humain, mais qui lui est spirituellement bien supérieur. Les gynoïdes sont souvent conçus selon les stéréotypes culturels d'une femme parfaite, sexy, muette et obéissante. Les gynoïdes de fiction se retrouvent donc très érotisés, dont ils ne servent pas juste d'objets sexuels. Dans les animes et les mangas, on peut tout de même remarquer que leurs rôles sont souvent plus émotionnels qu'en Occident. Au Japon, humain artificiel peut également désigner un être entièrement organique, mais artificiel. On trouve par exemple Bioroid, qui fait référence à des androïdes ayant un corps vivant ou un cœur proche d'un humain. Les automates, qui sont des poupées mécaniques qui, lorsque fonctionnant de manière autonome, peuvent être traitées comme des androïdes. Il s'agit également de l'ancienne appellation des robots. Les clones, les humains nés par clonage peuvent être considérés comme des humains artificiels. Les bébés sur mesure, qui sont des bébés conçus par fécondation in vitro et sélection génétique, qui selon la technologie utilisée et le contenu de l'opération, peuvent être considérés comme des humains artificiels. Et pour finir, les homunculus, qui sont des vies artificielles créées par la chimie. Un cyborg est un être qui bénéficie d'améliorations de ses capacités physiques grâce à la technologie.
Ça peut être un remplacement de certains membres ou organes par des artificiels plus performants ou des dispositifs électroniques, dans le but d'améliorer les capacités physiques ou pour remplacer un membre ou un organe défectueux. Il existe plusieurs problèmes éthiques, qui sont les thèmes principaux des œuvres de fiction avec des cyborgs, à savoir jusqu'à quel degré un corps peut être modifié avant de perdre son humanité. Il s'agit parfois juste d'un bras bionique, alors que dans d'autres cas, seul le cerveau est d'origine. L'impact sur le cerveau est également un thème très important. Les stimulations cérébrales pouvant modifier la personnalité, entraînant donc un grand danger de manipulation, que ce soit volontaire ou non. Les cyborgs sont couramment présents dans les œuvres cyberpunk. Au Japon, le concept de cyborg est encore très peu connu avant les années 1970, mais l'anime Cyborg Online, puis Masked Rider ont largement fait pénétrer le concept dans la population japonaise. L'œuvre qui représente encore le mieux le concept reste encore aujourd'hui le Ghost in the Shell de 1995, dont la portée a très largement dépassé les frontières du Japon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.